Japonais Uruguay Tennis Academy a vu le duel fratricide hier, enfin hier, avant-hier. Et Francisco Panache vient de terminer son parcours dans le tournoi de Santa Margarita Div. Ah, c'est vrai qu'on a pris une branlée. C'est vrai qu'on a pris une branlée contre Fancut. C'est vrai que nos débuts sur gazon sont pas ouf. Ceux qui ont le jeu, est-ce que vous avez découvert des petits tips au niveau des entraînements et tout ou pas? Là, du coup, on va le bousiller. Hein. Moi, je vais vous dire, moi, je vais en faire un champion très très vite. Hein. Hello, le Mooncock. Ah, le Mooncock, les boulasses, comment il va? Tu as vu le match de 7 de rugby pour le 7 Europe Series? Non. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu les matchs pour les 7 Europe Series. J'ai pas vu du tout. Avoir le poignet souple. Petit tips, boire dans la même gourde, dans la même bouteille que Joko. C'est plutôt un bon tips. Putain, un bon tips. Enfin, ça lui permet pas d'avoir un autre genou, si tu as ce que je veux dire, ma gueule. Y a un truc où on est nul. Et ça, on l'a remarqué. C'est qu'on fait beaucoup trop de coupés. Tu sais, on a un revers chopé. Et on est nul en coupé. On a 10. Donc, je suppute. Il va falloir qu'on bosse l'amorti, la volée. Et soit on change notre plan de jeu. Je pense que maintenant qu'on connaît bien, on peut adapter notre plan de jeu. Le service, moi ça me va. En vrai, le service, moi ça me va. Juste, sur l'extérieur, il prend moins de risques sur la deuxième, il fait trop de double faute. Voilà. Je suis un peu taquin, mais... Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile. Et pourquoi comment t'es. C'est toujours inattendu. Voilà, là on fait juste ça, un peu de kick, un peu voilà, le reste est à plat, on est bien. En fait, là maintenant, j'adapte un peu, j'adapte. Sur les retours, j'ai rien à dire. À part peut-être d'aller jouer profond. J'ai l'impression que jouer profond, ça peut l'aider. On est pas mal, on est sur un truc moyen-asse. Sur le deuxième service, on peut peut-être tenter un petit peu plus de risques. Sur le deuxième, tu vois, essayer d'aller chercher la deuxième. Longue ligne, chip and charge, mi-court. Voilà, forcer l'adversaire un peu à s'avancer, on est bien. Et là, on est plutôt devant, on aime bien. Puissance moyenne, oh ça me va. S'approcher du filet, on va mettre des coups à plat puisqu'on maîtrise pas trop le shop. Risque moyen, on va mettre du moyen, mais on va baisser là plutôt. On va mettre deux moyens, on verra. Parce que là, on risque du coup, si on met pas de puissance, on risque de la mettre un peu mi-court quoi. Situation d'attaque, on reste sur du plat. Situation défensive. C'est vrai qu'on lift beaucoup. On va tenter du plat parce qu'on est un peu nul à ce niveau-là, tu vois. Et passing shot la gueule. Ok, on enregistre. On enregistre. On peut lui donner un nom déjà? Ah ouais, voilà. Jeu d'attaque offensif. Voilà. Nous, c'est un jeu d'attaque offensif. Enfin, c'est important de le... Voilà. Voilà, comme ça il a. Voilà, comme ça il a les trois. Là, on est bien. Là il a les trois. Il a le jeu d'attaque offensif et le jeu d'attaque. Et le service volé. Voilà, on est là-dessus. On est là-dessus. Offensif. J'ai choisi l'option offensive. Il aurait peut-être dû se préserver avant le 8ème et éviter une opération. C'est vrai. Après, son objectif, c'est les JO à Joko. Donc il se chauffe. Bosser l'amorti. Attends, t'as dit quoi? Bosser l'amorti pour la saison sur gazon. C'est vraiment un bon coup, ça? Ah, bosser le service. Pas con, ce qu'il dit. 412. 412e mondial. On est à Aguilar Cardozo. 691e mondial. Qui est également plutôt pas mal. C'est pareil, hein, les coupés, il est nul, un chien. Faut le faire bosser un peu, tout ça. En termes d'entraînement, lui, on lui avait mis une bonne dose. Lui, en termes d'entraînement, du coup... bah là plus de match, donc on va lui mettre une petite dose aussi. Donc on a dit qu'on allait bosser la volée, c'est pas mal. On est à 12, on va la passer à 13. Le revers, on va le passer à 13. Comme ça on a les notes un peu en surbrillance, on va toutes les faire passer en 13. On va essayer. Et après on se concentrera sur coup droit et effet de service. Là on se concentre sur revers volé. Revers volé sur les entraînements, c'est parti monsieur Lame. Revers et volé sur les entraînements, c'est parti. Hop, on a les filtres, revers, bim. Revers. Revers, pas de coup droit. Revers, revers. Tac, tac. Voilà, c'est bien tout ça. Voilà, c'est bien tout ça. Voilà, ça lui met une bonne dose, mais ça lui fait du bien. Ok,
Là, ok, ça lui met une dose de cheval, mais en même temps, il est capable d'être éliminé, ce con. Non, c'est vrai, il est capable d'être éliminé. Alors, bonjour, coach. On a évalué Federico. Oh, potentiel 4 étoiles. Pas si fou. Pas si fou, Federico, mais bon, on verra si on le prend dans l'académie. On verra, hein, les frères Aguilar Cardozo. On verra bien. Pour le moment, voilà, on est en... Prenez, c'est bientôt la banqueroute, là, non? Alors, ouais, c'est un autre problème, ça, qu'il faut gérer, ouais. C'est en effet un autre problème. C'est un problème qu'on va gérer, mais c'est vrai que c'est un autre problème. Là. C'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est un... Ouais. Ouais, c'est un autre problème. Alors, tu vois, ça s'est corrigé, ça, quel bonheur, enfin. Donc, forcément, il prend pas des 50% parce que bah, la coach est moins forte que moi. Bon, c'est pas la coach. La coach est moins forte que moi et le joueur est moins performant. Mais enfin, ça avance. Donc lui, ça va, ça avance. Il a pris quand même des bonnes doses, on apprécie. Coup droit, on a pris. Revers, on a pris. Régularité revers, on a pris. C'est pas mal. Pas mal, on a pris dans les bonnes zones. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Faut qu'on prenne la volée maintenant. Le coup droit à 12, on commence à être pas mal. Faut qu'on prenne la volée. Alors, entraînement en volée. Entraînement en volée. Envoi de balle irrégulière, ça fait bosser quoi? Ça fait bosser quoi ça? Équilibre, agilité, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, tu vas me bosser la volée. Un peu là, on part sur de la volée. Voilà. Service et montée au filet. Série de volées. Montée au filet progressive. Volée, jeu de jambes. Chip and charge. Retour, contre, volée, accélération. C'est pas mal ça. Volée claquée. C'est pas mal ça. Petite volée claquée là. Petite volée claquée là, beau gosse. Après, ça prend pas beaucoup d'énergie. Ouais, mais il a un match. C'est pas mal. Coup droit bloqué. On va lui faire série de volées. Hop. Voilà, on est bien. Ah oui, on a un tournant. On a un pro 75. C'est vrai, j'ai oublié ce petit détail. Lui. Il est comment? Physiquement, il est ok. Après, il a un tournoi. On lui met quand même une bonne charge. On va lui mettre une bonne charge. Hop. Là, on va te mettre un peu de soin. Là, on va lui mettre quand même un petit... petit service avec FL, là, qui fait pas de mal. La lecture de trajectoire de balle, ça fait quoi? Anticipation sans tactique, c'est bien. Visualisation à la respiration. Anticipation, concentration, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Plan de jeu secondaire s'il veut. Gestion tactique en fonction de la surface. Je sais pas s'il a besoin de ça. Il est comment sur la surface? On valide déjà. Il est comment sur la surface, l'ami? Il est très bien. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. J'ai voulu recruter le coach Poney, mais il n'a pas voulu venir en Lettonie. Il n'aime pas les jeunes espoirs. Ah, c'est que j'ai besoin d'un petit, une petite académie un peu confortable, quoi. Bonjour à tous, salut coach, salut Nodata. Changement de catégorie peut-être? Ah putain, il est fort. Bien joué. Bien joué. Pas grand chose à dire. Voilà, c'est une petite maîtrise, voilà. Ah ouais, bien joué. Allez hop. Non, y a pas de problème. Ah bien joué, y a pas de... rien à dire quoi. C'est votre dernier... c'est votre dernière ce soir les artistes, vous pensez finir en GAV? Ah c'est... Peut-être qu'on ira boire un coup après, ouais. Futur sponsor de la styrène Languidic Handball. C'est-à-dire. Y a pas les replays de vos soirées d'hier, avant-hier, c'est un choix. Non, je pense que, en fait, avant-hier, oui, c'est un choix. Parce que y avait une possibilité qu'on avait leak le numéro. Qu'on eût leak le numéro de Baptiste Le Caplain, mais non. Et du coup, je pense qu'ils ont oublié de le remettre pour aujourd'hui. Simplement. Voilà. Seulement un? Seulement un quoi? Ah, un coup. Tu vas pas te sentir un peu seul sans Alex et Riff demain soir? En vrai, ouais. En vrai, de ouf. Plan de jeu secondaire. Ça prend pas trop d'énergie. Et le centre de surface, ça prend pas trop d'énergie. On va plutôt faire un petit truc technique. Y a un truc léger sur le service ou pas? Y a un truc léger là? Pas tant. Y a un truc léger là ou pas? Pas tant. Ah putain. Un morti peut-être? Ah pas de ouf. Merde! Ah y a ça quoi, volet timing.
Petite volée claquée. Maîtrise des surfaces, on s'en branle. Maîtrise des surfaces, on a dit que ça faisait quoi? Maîtrise des surfaces, c'est... Oh, c'est un truc hyper vénère. Vas-y, je peux mettre un truc vénère, là, j'adore. Je peux mettre un truc vénère, là, si je mets un truc vénère... on va lui mettre service avec effet, je pense que c'est pas mal. Régularité, service. Effet, service. Allez, effet, service. La déviation, c'est non. Je vais me faire une série de revers, là. Prise d'appui. Un peu de physique, quand même, ça fait pas de mal. Prise d'appui, c'est combien? C'est comme ça. Jeu de jambes, équilibre, agilité. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors que la retour timer... Voilà, on va faire ça. Renforcement du bas du corps. Voilà, on lui fait une bonne semaine, là. On lui fait une bonne semaine à l'ami. Ça lui fait la bite. Il reste pas mal. D'accord, on évite le sujet cheveux. Attends. Mais c'est Wisebot qui clash. Je ne vais plus pouvoir regarder un match de tennis sans vous. C'est vrai que il y aura un après, quoi. C'est, ça, fait, ça va faire bizarre. Hein. Rapport sur l'effectif. Alors, on est 412e. Il est 688e, c'est pas mal. Le moral, est, il faut qu'on lui laisse une petite semaine de... Attends. Oui, là, il aura du repos, il sera bien. Oui, là, il va être bien. Ah, peut-être qu'on va lui enlever le dernier. On verra. Pff. Est-ce qu'on lui enlèverait pas ça? On lui laisse un peu de repos, tu vois. Genre, en gros, là, on met le soin, et là, on lui met un autre truc, là. Ah, ça va le défoncer, si je fais ça. Après, en vrai, pff, tant pis pour lui, quoi. On va mettre ça. Ok, on met ça. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, le match, le tournoi. Alors, on est en Pro 75. Il y a Brooksby, le numéro 150 mondial, ce connard. Les têtes de série ça passe hein. Les têtes de série ça passe. Nous on est où? On n'est pas tête de série. On joue Matteo Gigante, 214e mondial. Il est Gigante. C'est un vrai gars, Matteo Gigante, 22 ans. Il a un style il est très gros. C'est un gros retourneur. Son style, c'est joueur de fond de court offensif. Il appartient à la Piatti Tennis Center. Il a fait quoi? Il a fait 16e de finale à Marbella. Attends, Marbella, c'est un 75. Hein. Il a fait 16e de finale. 16e... Ouais, il gagne pas un match. Il gagne pas un match, le con. Oh, mais mec. Mec, dans l'année. Mec, ça, c'est ça, sa saison? Ah, si, il a gagné un petit peu. Ah, un Pro 100. Il a fait quart de finale d'un Pro 100, quand même. Là, il a raté les qualifs pour l'Australie. À Hugo Grenier, qui lui a dit « Ferme ta gueule ». Valentin Royer, qui le pète au qualif de l'Open de Provence. Il fait un Pro 125 à Pau. Il passe un tour, mais il est en galère. Ah, c'est pas un... C'est un joueur qui... Après, voilà, il joue des joueurs... Il a perdu contre un 1300e mondial, quand même. Enfin, je veux dire, faut se rendre compte. Alors, ok, c'est un jeune chinois en devenir, mais bon, quand même. Là, il a perdu contre un 332e. Ravière. On aime bien Ravière, mais bon, quand même. Ah, il est pas bien. Oh, il a une forme médiocre. Il y a un monde. Il y a un monde où on le défonce, hein. Il y a un monde où on le pulvérise. Nous, on est bien. On va au brief. Je vous fais voter. Il est quand même 200 et quelques mondial. Attention, on va le respecter. Qui va gagner le match? Bim. Est-ce que on arrive à battre Gigante? Je la raconte aussi dans son nom, quand même, Gigante. Ça va, les Italiens, là, qui progressent, là. On n'en peut plus, là. Là, c'est à l'Uruguay, bordel. La formule gros retourneur. Moi aussi, je suis un gros retourneur. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Oui, ça va, salut Rip Luffy, comment il va? C'est un gaucher par contre, mais on va le démonter. C'est 2-0 Francisco aujourd'hui. Non, mais là, c'est hors de question. Match équilibré, mais Francisco est en meilleure forme, ça peut faire la diff. Je sais une grande intensité sur le service pour limiter les chances de Matteo de breaker. Là, c'est un gros tourneur. C'est un gros tourneur, il nous faut un gros service. Là, il faut faire un gros match. Il faut faire un gros match. Tu sais qu'on va se mettre gros service, gros retour. Là, de toute manière, on a notre jeu d'attaque offensif. On va le défoncer. Il a pas de sang-froid, pas de revers. Oh bah mec, attends, mais il a pas de revers. Pardon, mais s'il a pas de revers, vise le revers. Hein. Visez le revers. Hein. Voilà, vise le revers, on le défonce. Hein. Confiant, déterminé, rassurant, tout ça. Tu vas le faire douter, prendre l'ascendant et battre cet adversaire. Voilà, bim. Francisco. De là derrière, merci pour le 9e mois, j'ai oublié de te le dire. Les copains, quand j'oublie des subs, n'hésitez pas à me le mettre en...
en avance si j'oublie, quoi. Parce que voilà, des fois je passe à autre chose et tout. Et après, après moi j'ai pas envie d'oublier les mecs qui sponsorisent la chaîne. Comme les Boulas qui offrent un sub à Babax White. Merci les Boulas. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Merci beaucoup. C'est juste beau. Belle Boulas. C'est juste votre vie. Rainbow, bienvenue. Et Natrobi, bienvenue. The Neptunes, bienvenue. Bien sûr, un méloman. SMB Bibi, bienvenue. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Et Danto qui offre un sub à Tififou. Hein, Danto qui offre un sub à Tififou, j'avais pas vu. Les oreilles. C'est juste beau. C'est entraîne des futures légendes. Exactement. Là, en l'occurrence, Francisco Panache. On est une académie uruguayenne. Et là, je vais pas vous mentir que là, maintenant, c'est match. Là, c'est match. Baba, que c'était pour le retournement. Quatre victoires, 6 défaites. 32 victoires, 5 défaites. On est quand même sur un autre bilan. Allez. Allez, Francisco. Bim. Bien ça. Putain, on a bossé la volée et le revers, mec. S'il va faire que des fautes en volée et en revers. Je me mets sur le côté, là. Je suis à côté de lui. Je le concentre. Je le motive. Je le concentre. Je te concentre. Ouais, il a le droit de bien servir. Pensez à manger du miel, hein, c'est hyper important. Ah oh, putain. Oui, la double. 100% des doubles fautes ont été des points perdus. Hein. Ah putain. Il donne trop. Voilà. On a bossé ça, mon con. Hein. Voilà. Allez. Ouais, t'insistes, j'aime bien. Et bim, le passing. Putain, il attrape la ligne, ce con. Allez, Francisco. Hein. Maintenant, t'as une banane. Pour l'après-retournement, Babax. Est-ce que tu as suivi, grâce au compte de Romain, il n'y a pas de Français en junior qui ont gagné des matchs à Roland. Peut-être des futurs cracks dans le lot. Ouais, il nous parle de Kwame, mais il nous avait parlé aussi pendant l'émission. Il avait dit, moi, je monte dans le train. En vrai, il en avait parlé et il fait une super prestation. C'est un gars qui a même pas 15 ans, je crois, ou même pas 16 ans, qui joue contre des juniors de 17-18, je crois, et qui est monstrueux. Ouais, je suis toujours le compte de Romain, il est trop fort. Il a 14 ans, je crois, ouais, impressionnant. Allez. Oh là là, on a eu du mal à gagner notre mise en jeu. Voilà, c'est un champion, ça, tu peux le faire. T'es un champion. Let. Love. Exciting and you. Come above. Ah putain. Oh, il a eu un petit déplacement pas mal là. On est un peu en galère quoi. Allez là, emmerde-le. Je pense qu'il en donne trop. On va baisser un peu l'intensité pour le moment. On va le laisser rentrer dans son match. J'ai l'impression que l'intensité, ça joue aussi sur les longueurs de balles, moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils en foutent des... Tu sais, ils frappent trop fort. Par contre, il a pas de problème trop sur son service, l'ami italien, là. Hein. Allez, service... Allez, ah, au moment où je dis ça, putain, mais quel génie. Oh, allez, sur une deuxième, t'es agressif. Bon, le retour est un peu court, il l'a remis en poil à frire. Et le rebond, voilà. Un peu court, il s'avance et tu le termines. Et il s'extérieur. Pour confirmer le break. Et une double faute, enculé, putain. C'est fou de faire ça. Attends, il est nul en revers. Joue sur son revers. La voix, faites gaffe à la voix. Agresse-le. J'ai vu qu'il y avait des joueurs FR qui ont des noms italiens et de grecs de quoi concurrencer Sinner, Titi Pass. J'ai pas tout vu. Oui. Allez, balle pour mener 5 jeux à 3. On est bien, c'est fait. Balle de 7 sur le service de notre adversaire. On est peut-être en train de prendre la mesure. Peut-être que l'ajustement de l'intensité. Oh là 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 là, le retour. La gifle de coup droit pour Francisco Panache. 6-3 sur le premier. Moins de risque. Non, on est bien. On donne quoi? On a rien donné. En 3 doubles fautes. Ok. Mais on a rien donné sinon. On fait quoi? Coup droit gagnant, 12. Boum.
Default direct, ça va, franchement, ça va, franchement, ça va. Il est sûr de lui, surmotivé, rassurant, enthousiaste. Bon, il est très bien. Allez, fais-le sortir de son match. Panache. Attention, quand même, une balle de break, il sert extérieur, service volé, c'est assuré, c'est propre. Ah, j'aime bien le style de jeu offensif, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Advantage. Bon, des fois, il donne. Hein. Pas trop dur pour le cerveau de voir ces échanges en accéléré. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, bon, on s'est fait briquer d'entrée. C'est plus ça qui me dérange. En fait, en vrai, moi, quand j'accélère, je regarde le score seulement. Je regarde pas trop les échanges. Là, c'est dommage, là, quand même. Oh là là, chat qu'il a. Balle de débreak. Allez, allez. Allez, pourquoi pas, bon service sur le T, mais tu la renvoies. Allez, c'est maintenant, tu rentres dans le terrain. T'en mets trop. Putain. Oh, il nous envoie des retours. Oh, il prend beaucoup de risques. En vrai, j'aime bien parce qu'il prend quand même beaucoup de risques. Oh, il craque. Ça débreak. Débreak panache. 2-1, 2-2, 3-2. Et là, balle de break peut-être, non. 3-3, 4-3, 4-4. Oh, c'est serré. 5-4. C'est maintenant mon grand. C'est maintenant, mets-lui une pression. Mets-lui la pression, c'est maintenant. C'est maintenant, on va chercher la win. À deux points du match, Francisco Panache contre l'Italien Gigante, 200e joueur mondial. Ouais, 30-1, toujours à deux points, vamos. Ouais, toujours à deux points, mais chiant. C'est moi ou en haut à gauche, la banderole française slash avec Etienne Champion et Gustave au revers. Allez. Joue sur son revers, voilà, un 6 sur son revers. Voilà, un 6 sur son revers. Ouais, t'y es. Ouais, compliqué. Merde. Brésien. Allez, allez, faut insister, Francisco. Ouais, ça insiste bien. J'aime bien, il insiste. Ah, il insiste, mais il est pas mauvais, en fait. Francisco, en fait, j'ai l'impression, genre, t'es pas obligé. En faisant, t'es pas obligé d'insister en revers. Il est pas si nul que ça en revers, en fait. On a mis tout le match à s'en rendre compte. Il est pas si nul en revers. Oh, vous avez quasiment tous misé pour Francisco. C'est un 200e mondial en face. Hein. Six games four. Four. Second service. Et Francisco. Nouveau plan de jeu, bien sûr. Un petit peu adapté. J'ai une lentille qui saute. Allez. Ouais. Oui. Pff, oh là là, belle tenue. Allez, Francisco. Allez. Et bim. Ah, oh, il s'est trompé. Il a joué sur toi, Francisco, il a fait une erreur. Il a joué sur toi. Au lieu de jouer complètement sur le court ouvert. 3-0. 3-0, c'est le meilleur départ possible. Allez, pas de double faute. Allez, Francisco. 4-0. 5-0, peut-être la bulle. Ah, sur lui, mais une bulasse. Double faute. 6 balles de match, Francisco Panache. Bim! Le retour est bon et puis... Oh non, il lui met pas une bulle. Je vibre. Oh, moi aussi je vibre. Francisco qui joue fort sur lui et il part à la faute. Let's go! Francisco Panache qui remporte son premier tour. Bon, ça fait du bien. Sur un Pro 75, c'est bien de passer le premier tour. Honnêtement, c'était pas un match facile. C'était pas un match facile, mais on a un plan de jeu qui est pas mal. On insiste un peu sur ses qualités. 200e, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit l'autre con? Depuis quand tu doutes de Francisco Palin? Ah non, mais parce qu'on n'avait pas l'info, ouais, sur l'enveloppe, tout ça, ouais. Et pas toutes les infos. Bien joué, on se concentre sur la prochaine étape. Voilà. Bim! Et l'autre a gagné aussi. Il a pas gagné, il s'entraîne. Oh, ouais, ça c'est fou ça. Dernier match qu'il a perdu, c'est contre Francisco, quoi, c'est fou. Ouais, non, l'autre il a un bon entraînement. Moralement, il est. Ah, il est bien là, il est bien. Il s'entraîne bien, il s'entraîne bien, j'aime bien. Là, il est bien. Est-ce qu'on se ferait pas un petit entraînement à la con, un truc très léger là? Y'a quoi en léger là? Y'a rien, on sait pas. Truc léger là. Corde à sauter là. Corde à sauter avant le match là. On joue qui? Au Barletta Open. Barletta, c'est quoi? C'est en Espagne? Italie. Barletta Open, Italie. On joue Dino Prismic.
qui a éliminé le joueur tête de série numéro 4. Il est en white card. Attention, ce genre de white card, on connaît. Putain, les white cards, c'est vraiment une sale histoire au tennis. Hein. C'est vraiment, mon gars, tu tombes contre une white card, le mec, il est plus fort que la tête de série, ça te casse les couilles. Faut chier avec les white cards, hein, quand t'as sauté. Ouais, bien sûr. J'ai la ref. Jeu de jambes. Très bon retourneur, jeu puissant de fond de court, grosse capacité physique, instinct de tueur très élevé, augmente le ratio de points gagnés dans les moments clés où le joueur a l'avantage, genre sur ses balles de break à lui, enfin, s'il veut me breaker moi. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'il a pas une bonne forme, mais bon, il m'a l'air 18 ans là, Dino Prizic, on peut être potentiellement sur une petite pépite, j'ai l'impression. On peut être potentiellement sur une petite pépite. Te faut du pognon pour l'académie. Et ouais, mais qu'est-ce que tu veux, il faut qu'on gagne des tournois, mon con. Qu'on gagne des tournois, c'est tout le problème. C'est que là, au début, pas évident, quoi. Allez, t'es open, il y a 30 000 balles à se faire. Hein. Pas te mentir que 30 000 balles à se faire, ça ferait la différence. Sachant qu'on prend 44%. Ça nous ferait un petit 13 200 balles. Ça se prend, hein. Ça, je vais te dire, ça se prend à 13 200 balles. Hein. Ça éponge un peu, quoi. Non, mais là, on a un déficit de fou, là. Panache, ouais, il a 95, c'est nickel. Allez. J'ai... Oh là là, Broomsky contre Himmer. En vrai, je pense pas qu'on gagne ce tournoi, parce que ça va être chaud, quand même. Il y a des mecs super bien classés. Steam Johnson, mais qu'est-ce qu'il fout, là? Mais là, même, vraiment, là, je pense que la white card, en vrai, Dino Prismic, là, je pense que c'est pas un bon tirage. Hein. Titouan drogué qui s'est fait éliminer. Titouan. Mais pas comme ça, hein. Pas après tout ce qu'on a vécu, Titouan. Non. Un mec des Balkans avec un très bon instinct de tueur. On frôle le stéréotype. On est limite cliché, ouais. Je vais vous faire voter. Qui va gagner? Est-ce que c'est Panache? Ou est-ce que c'est Prismic? Je cède Prismic. C'est parti! Pas facile en vrai. Hein. En vrai, pas facile. Match nul. Le briefing. Match équilibré, ça va. On a un excellent ratio de victoire, mais bon, on n'a pas joué. Lui, il est top 200, il joue contre des mecs de son âge, quoi. Il a 3 titres en carrière. Reverra demain. Là, il a pas passé trop de temps sur le court non plus. Avant, c'est quoi? Calife d'Estoril, il a chuté. Tac. Il avait fait quoi? Indian Wells Challenge? Ouais, il est pas sur une série de victoires non plus. Hein. Mentalement, ouais, c'est pour ça que moralement, il est pas ouf. Là, il a gagné un petit match, ça le remet bien, c'est dommage, mais il était un peu plus bactère. C'est un match équilibré, Francisco a une meilleure forme, ouais. Grande intensité au retour. Ouais. Vers le filet, ok, il est pas à l'aise au filet. On va commencer sans trop d'intensité. Donc s'il est pas trop à l'aise au filet, faut pas hésiter à mettre des amortis. Vas-y, on va mettre double amorti. Et on a ce côté... sur les retours, faire des trucs peut-être un peu plus courts, tu vois. On va tenter un court ici. On tente ça, l'adaptation par rapport au joueur, le petit plan de jeu. Salut Schwarzy, comment il va? Bienvenue. Bonjour à tout le monde, salut Moratko. Et le danseur de salsa, de samba, exceptionnel. De salsa. Ah, c'est mon petit move signature, ouais. Bah avec des Nitsa, ouais, on est... Et on est comme ça, quoi. A fortiori, monsieur Patulacci, bien le bonjour. C'est qui Francisco Panache? Comment ça? Francisco Panache est mon joueur, créé. Tu peux me dédicacer la balle quand j'ai gagné ce soir. T'as gagné la balle hier? C'est toi qui as gagné la balle hier avec Narcisse? Bien wesh. Alors, en vrai, les balles, on les a pas, c'est pas nous qui les envoyons, donc en vrai, non. En vrai, ils vont gérer ça. Je sais pas qui gère ça d'ailleurs. Nous, on a qu'une balle dans le studio en mode, regardez, c'est un exemple. J'ai un peu ressenti des papillons dans le ventre hier soir, j'avoue. C'est vrai. C'est Top Seed. Non, c'est un jeu qui s'appelle Tennis Manager. C'est un jeu de tu connais peut-être Football Manager. En gros, c'est un jeu où tu manages ton académie de tennis. Donc, t'as plusieurs tennisman.
T'as toute la phase où tu gères l'académie. Donc en gros, qu'est-ce que tu développes dans l'académie, tu vois, au niveau des soins, au niveau de la... qu'est-ce qui va te rapporter de l'oseille, au niveau des cours aussi, tu vois, pour que les mecs s'entraînent bien. Et après, tu dois entraîner tes pépites, tu dois gérer ton staff. Et ensuite, t'as la phase in-game où tu le conseilles, t'essayes de gérer son mental et t'essayes de lui donner des indications sur ses plans de jeu. Très sympa comme jeu. C'est fait par des Français. C'est très cool. La question de Cécile, c'est qui font des copains, c'est incroyable. Bon, vas-y, je te laisse. Enfin, voilà, profite. Hein, profite. Putain, j'ai des consignes. Ah, je recherchais le. Putain, il est où là? Ah, c'est Vandeck qui me l'a envoyé. Le bon deck. The delicious Vandeck. Qui est Francisco Panache? Qui est Francisco Panache? Elle a une voix de ouf quand même en vrai. Hein. Je trouve qu'elle a assez. Donc c'est Cécile Gray qu'on avait reçue dans une émission qui demande mais qui est Francisco Panache exceptionnel? Allez, vous avez voté. Oh putain, je suis en double. Quelle horreur. Attends, mais il faut que je rogne un peu ça. Voilà. Oh, c'est bon. J'arrive. Loris, merci infiniment pour les deux mal banards. Voilà, double cam qui part en couille. Tu peux rentrer dans la cour des grands aujourd'hui. Ah, c'est pas mal de lui dire ça quand même. Il a écouté attentivement, il est bien. En vrai, il est bien. Allez, Francisco. Allez. Ah, la terre battue, la tierra battida. En Italie, ça serait bien de passer un tour. Ne serait-ce que pour l'oseille. Ne serait-ce que pour... Alors, on ne pense pas qu'à l'oseille, mais c'est vrai que pour l'oseille, ça serait une bonne idée, quoi. Allez. Voilà, il va donner. Il n'est pas en forme, il va donner. Bon, là, c'est un serveur de fou, non? C'est dommage. Il n'y a pas que la voix qui est ouf. Je vois ce que tu veux dire. La qualité de la femme est merveilleuse. Non mais elle est trop stylée. Streamer pro, c'est ça. Ça va le Z? Là vous faites trop de games valo là, moi j'aurais bien aimé en fait. J'avoue, j'aurais bien aimé faire des petites games valo là. Parce que voilà, j'ai quand même un niveau quoi. Loris, merci pour les 2 mois d'abonnement, franchement merci beaucoup. Choisi, bienvenue, merci pour le follow. Pilfake, bienvenue aussi, merci pour le follow. N'hésitez pas, bien sûr, follow tous les matins, 10h-13h, à peu près. Au moins 10h-13h, les émotions du sport sur divers jeux de sport. Là, on est sur la période tennis, bien sûr, avec Tennis Manager. On va rentrer également sur la période tennis et vélo, avec demain la sortie de Pro Cycling Manager et de Tour de France. Demain, on jouera à Tour de France 2024. Allez, Francisco. Allez. Allez, insiste un peu là. Il a un très gros service quand même. Oh ouais, le revers. Le revers, franchement. Revers. Pas de coup droit. Revers. Pas de coup droit. Bon, un petit coup droit aussi. Balle de break, Francisco Panache. Sur le service de Primzik. Et il sert fort sur lui, il explose. Le retour très fort sur le joueur, il a pas eu le temps de s'adapter. Allez, faut confirmer le break. Il est très bon en revers là. Il nous fait un très beau match. Bah viens, on t'accompagne en attendant que tu sois niveau 20 pour la compète. Mais attends, mais c'est reparti le délire du niveau 20 là. Parce que j'étais déjà niveau 20 le Z. On a déjà fait du ranking. Il faut recommencer. Je suis chaud pour la sortie de Tour de France. Oh, mon Val, il va tellement m'envoyer tous les cols et tout. Est-ce que t'as étudié les étapes là du Tour de France en mode... moi j'aime trop le concept du Tour de France qui part d'Italie pour arriver à Monaco. Je trouve ça vraiment génial. En vrai, premier deux, je trouve ça cool que ça change. Ça me fait rire quoi. Tour de France, t'as pas une île française, c'est dans l'énoncé.
Ah ouais, tu me rassures le Z, parce que j'en peux plus. Faut profiter des week-ends. 40-15. Il y a juste les 5 games de classement à faire, mais on peut les faire ensemble. Bah bien sûr. C'est Nice l'arrivée, ouais, c'est Nice-Monaco l'arrivée. T'as un truc à Monaco. T'as un truc à Monaco chelou. C'est quoi le Val, il va nous répondre en 2-2 là, mais... Tour de France, 2024, étape. Il y a un truc où il y a écrit Monaco à un moment donné, il me semblait. Ah non, ça part de Monaco la dernière, ok, ça fait Monaco-Nice la dernière, c'est moi. C'est Monaco-Nice la dernière, c'est pour ça, c'est Monaco-Nice. Tu pars de Monaco, t'arrives à Nice. Ouais, voilà, c'est ça, situé. Bien sûr que j'ai déjà maté les étapes depuis octobre et le parcours. Tu veux un résumé? Oui. Ouais, je veux bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses que ça va être un beau Tour de France? Quelles sont les étapes que tu penses qu'il faut absolument regarder? Et voilà, et est-ce qu'on va vibrer avec les Français ou on oublie? Voilà, c'est les trois questions que j'ai envie de te poser. Panache toujours ce break d'avance. Toujours le break d'avance pour Francisco Panache. Et là, il sert pour le gain. Oh là là, balle de 7, Francisco. Allez, là, il est pas mal. Hein. La peur de gagner. Service volé. Faut avoir les baloches pour faire ça. Et Dieu sait qui les a, les baloches. Allez, pas d'enflammade. C'est que la première marche. Francisco devrait prendre moins de risques et donner moins de points gratuits. Attends, parce que tu me dis ça, mais en vrai, on a 8 fautes directes, ça va la vie quand même. 18 fautes, 18 coups gagnants, on le pulvérise. Hein. Après, c'est vrai que bon, voilà, balle de break sauvée, y a pas eu beaucoup de balles de break. Je vais plutôt peut-être me reculer un chouille sur le... Reculer un chouille sur son service. Prendre peut-être un petit peu plus de risques. Second poteau Pavard. Je sais pas trop. Allez, on va essayer de prendre un petit peu plus de risques sur son service. Pas sur les retours. Allez, on essaye. Merci Bistourex, merci pour le 35e mois, quasiment un an, hein, c'est fort. Sache en tout cas que je me régale le soir, je fais mes petites games de Valo. Avec l'émission sur le Teco, je suis bien. Carrément, viens quand t'es dispo pour jouer, on rigole bien. Ah ouais, bah je me doute. Hein. Il y a de quoi faire cette année pour les sprinters. Ah! J'avoue que moi, les sprinters, ça m'emmerde. Vraiment, le sprint m'emmerde. Enfin, tu vois, une ou deux étapes, c'est cool. En fait, moi, j'aime bien genre l'idée de sprint intermédiaire. Mais le sprint final me casse les couilles. Mais on en a déjà parlé ici. Hein. Tu es fantastique, continue sur ce rythme. Là, je suis un gars de la pression. On va pas lui dire, tu es fantastique, doucement, on est au deuxième tour. A bien fait de pas lui dire qu'il était fantastique, le con. A bien fait de pas lui dire. Oh là là, il met des gifles. Jeu blanc pour le croate. Et peut-être... Ah là là, putain, on avait des points d'avance. On n'arrive pas sur son service. Allez, peut-être... Oui. Au moment où je dis qu'on n'y arrive pas, on a tout le temps une balle de break. Il faut que je dise ça tout le temps. Ah, compliqué. Le retour était trop court. Regardez les étapes. 1, 2, 4, 9, 11, 14, 15. Et les 5 dernières. Ça va être pas mal. 1-2, c'est en Italie. En Italie, on va se régaler. Hein. Allez. Oui. Oh, la belle zone trouvée. Ah, putain, dommage. Belle zone trouvée, il a pas su s'appuyer dessus. Ah, il l'a fait un peu chier quand même, c'est dommage. Oui. Oui. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce coup là? Mais Francisco, mais tu nous régales. Balle de break, quasiment une balle de match. Je te fous de ma gueule. Un mort dans le public. Ça fait beaucoup d'étapes. Merci, mais ça fait beaucoup d'étapes. On travaille quand, du coup? Ah, oh, croque, pas à nous. Hein. Pas à nous. Allez, on le plie. 2-0, 6-4, c'est parfait. Ouais, pas besoin de faire plus. Tu prends deux breaks dans le match. Voilà, pas besoin de faire plus, Francisco.
Tour de France qui ne passe pas du tout par le nord ou l'ouest de la France, c'est beau. Ouais, bah ils essaient de varier les plaisirs. Pas besoin de... Hey, pas d'esclandre, on vient juste de battre le 200e mondial. Ouais. Il est 200, lui ? Il est 200e mondial, lui ? Ah ben ? Une saucisse, ouais ! C'est une saucisse ! Francisco, on va faire ça. Allez ! Parlez et racontez. Ouais. Écoute, mon ami Jean-Luc. Écoute, nous on est là pour divertir. Chacun son rôle. Chacun son rôle, mon ami. Mais c'est très bizarre que tu mettes ça comme un premier message. Enfin, c'est pas très bizarre, c'est totalement d'actualité, mon ami. Ah là là. Les glissières dimanche, c'est violent aussi. Les glières ? C'est quoi les glières ? Francisco, il va vite le rejoindre le 200e. Normalement, c'est prévu. Si au moins il disait de bonjour. Non, mais je comprends, en vrai. En ce moment, c'est la merde. Hein. Et c'est la merde un peu partout, quoi. Disons que ici, on a fait le choix de ne pas donner de consignes de vote, tu vois. Non, mais chaque chose... Chacun est doué pour des trucs. Et moi, j'essaie de divertir. Et si les gens veulent s'informer sur plein de trucs, ils ont bien raison de le faire. Mais on parle de choses qu'on maîtrise. Enfin, pas toujours, mais on reste quand même léger ici. Y a-t-il un lien de parenté entre Francisco Panache et Antoine Dupont ? La question se pose. La question se pose. Après, apprendre qu'Antoine Dupont est fort même là-dessus, c'est fou, quoi. Tu vas refaire une carrière avec Ragnar ? Je suis pas sûr, Julo. Je suis pas sûr, je pense que je vais faire une petite carrière là. Plateau des Glières, au-delà résistance. Parle du critérium du Dauphiné. Ah, bah oui, bien sûr, le critérium. Plateau de Glia est en haut, est un haut lieu de la résistance, mais aussi une ascension de 6 km à 11% suivie par 2 km en faux plat montant dans des graviers. Ça démarre quand du coup ? C'est juste avant le Tour de France du coup, donc c'est... Ah, j'ai hâte, parce que moi j'aime bien, parce que vous êtes à des mordus de vélo. Hein. Ouais, ça sent un peu le bot de Jean-Luc après, bon voilà, c'est en ce moment je pense qu'on a tous, en tant que citoyens, vu des choses assez horribles, depuis un peu trop longtemps d'ailleurs. Mais voilà, moi je c'est pas mon rôle. C'est actuellement le critérium. Ah ouais ? Mais non ! C'est maintenant le critérium du diphonien ? Ah ouais, mais vous me dites rien aussi. Non, en ce moment c'est Roland Garros. Site officiel de la course du critérium. Vainqueur de l'étape 3. Bah ouais, je suis loin, mec. Kinkone, Lebert, Grégoire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? Qu'est-ce que. On me dit rien, moi. Classement complet, Romain Grégoire deuxième, on va gagner le Tour de France ? Champoussin, qui est huitième. Alors, personne ne me dit rien ? Romain Grégoire qui est troisième. Ah, Kurt Nielsen qui est là. J'aime bien Kurt Nielsen. Bruno Amiral, il est là. Décathlon et G2R, on est d'accord que c'est pas mal. Genre Décathlon, c'est pas... Oh, Barguil, il est 17. David Godu. Godu, ça va ou ça va pas, Godu, en ce moment ? On est comment ? Romain Grégoire, il passait à rien de gagner hier. Tout lui dire. Bah, faut tout me dire, ouais. Faut tout me dire. C'est une super équipe, Décathlon. C'est les nouveaux AG2R à Mondial. Bah, c'est cool, hein. Mais ils ont une belle équipe, quand même. La formation Décathlon a fait un très bon Giro. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Cette année, c'est littéralement la deuxième au classement par équipe de Lucie. Mais non ! Décathlon ? Mais non ! Arrête tes conneries, Bernard. Godu, c'est moyenasse. Bref. On a envie, hein, pour Godu, mais... On va mettre effet service. Soin. Voilà. Soin. On valide. Allez ! Francisco qui passe au troisième tour. Ça nous va. Quart de finale contre Pirreno ! Pirreno, c'est quoi ? Tabrowski en demi. Pirreno, c'est 619e mondial. Il a battu Steve Johnson, le tête de série numéro 3.
Il est chez lui, Gabriele. Il est chez lui. C'est un jeu en déstabilisation. Frappe la balle avec rythme lorsque cela est approprié en utilisant tous les effets possibles, y compris ceux innommables. Il vous fait perdre l'équilibre, joue le contre-pied. Avec commission. Ok. Bon, il nous balade quoi. Il nous balade. Il lui faut une grosse anticipation, un bon sens tactique. Attends, il faut amortir et couper, le gars est nul. Son style de jeu, il lui demande ça, il est nul. Le nul. Ça, il est nul. Ça, il est nul. Va nous faire chier longtemps, Pirello, je vous le dis. Hein. Va nous faire chier longtemps. Je vous fais voter. Attends, Francisco, à un moment donné, il va se sortir les doigts. Pas d'échec. Le problème, c'est qu'il y a un petit boost souvent. Il joue à la domicile. Pirello. Oh, attends, il va pas nous faire chier celui-là. Non, mais oh. On est où, là? Je sais que tu as Martinis qui pousse derrière, mais Godu joue souvent en troisième semaine. Donc, retarde sa prépa. Ils ont gagné le classement par étape du Giro le Décathlon. Incroyable! Ah ouais, c'est énorme. À fond la forme, hein. À fond la forme. Vous pouvez voter. Vous pouvez miser. Qu'est-ce qu'on dit, le brief? Match équilibré. C'est quand même on est pareil, quoi. 491, 412e. On est aux alentours de la 400e mondiale. Il est sur une grosse série de victoires, quand même. Il est sur une grosse série de victoires. Il avait gagné. Mais non! C'est lui qui a gagné Dipoula. Mais non! Mais non! Putain, on aurait pu se rencontrer si j'étais pas con. Putain, il a gagné le rookie 20 d'avant. Oh, il est chaud! Oh, il est chaud! Après, il a galéré quand même, merde. Ah ouais, il est sur un énorme enchaînement, le bâtard. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Eh ouais, il a une forme de ouf. Ah, et physiquement, il est pas dingue. Mais en vrai, la condition physique, c'est pas grave. Sur un match, ça... Sur un match, tant qu'il est pas dans le rouge, ça le fait. Le problème, c'est qu'il a un moral et une forme excellente. Aïe, 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 aïe. Eh ouais, il est excellent. Son taux de victoire sur terre battue est de 100%. Ah! Il vient de battre Steve Johnson, 189e. Ah! Ah! Eh, je liftais de fond de course, c'est pas mal. Il est plein de bourre. Ok. Italien est plein de bourre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Prendre intensité de service pour limiter les chances de Gabriel de breaker. On va te mettre du gros service là dans ta gueule. Ah! Bon. Sûr de lui, concerné, rassuré. Bon, il est bien. Voilà, laisse parler ton jeu. Voilà, laisse parler tes émotions. Allez, Francisco! Franchement, une demi-finale pour l'Académie, pour l'Oseille. Surtout pour ta progression. Et pour l'Oseille. Cette victoire, 2 défaites cette saison. Ah ouais, d'accord, il fait un tournoi, le mec. Le mec a fait un tournoi. Et il a un peu galéré, hein. On est sur des tie-breaks, hein. On est sur des tie-breaks, quand même. Time. Allez, faut le baiser. First. Jeu Francisco. Allez, balle de break d'entrée. On va le défoncer. Voilà, le retour, c'est pas grave, t'es dessus. Allez, faut confirmer. Voilà, il fait n'importe quoi. Attends. On est à 14 minutes de jeu, là. Hein. On est pas loin. Non, il fait combien de fautes directes, ce gros nul? Ah, il est impressionné, il y a peut-être... Non mais attends! Quelqu'un lui dit qu'il faut jouer... Il y a des traces au sol, faut jouer au milieu. Personne lui dit. Regarde son endurance. Ouais, c'est vrai que ça... Regardez, l'état de la fatigue joue sur votre joueur, plus elle baisse, plus votre joueur perdra en puissance et en précision. Ah là, il perd sacrément en précision, le con. Attends, on peut lui mettre une bulle ou pas? Ah putain, bâtard. Allez, on le félicite. Non! Allez, Francisco, voilà, termine-le! Balle de 6-1! On vient de battre le 200e mondial, qu'est-ce qui nous emmerde? Bim, devant! Yeah! Francisco Panache est acculé en défense. Ça va aller, Corinne. Ça va aller quand même, ça va aller. Il a fait que 5 fautes directes? Incroyable! Attends, mais d'où?
Il y a deux balles de break, les deux ont été convertis. Dommage. C'est excellent, garde le rythme. Attends, mais là, on est en train de passer mon gars le tour. Balle de break ? Non. Dommage. On lui met une vraie pression quand même. Ma bouche. Ma bouche. Dès que je dis des trucs. Ma bouche ! Ah, Francisco, là, présomptueux, là, reste concentré. Putain, ma bouche, là, putain. Oh, il est revenu. Il est revenu. Blessé. Blessé, vigilance. Allez, balle de débray, tout de suite. Tout de suite. La réponse du berger à Francisco. Qui est ? Là, t'es offensif, tu rentres dans le cours. Oui. Le débreak tout de suite, le débreak tout de suite de mon gars. C'est mon gars, c'est mon gars. Second service, 4-15-0. Out, 40-15. Après, il peut pas jouer sous antibio. Y a pas le choix, je pense. On parle de Djoko. Out. Putain, dommage. Allez, confirme. Service extérieur et tu termines. Voilà, 3-3, on est de retour. On est de retour. Francisco est acculé en défense. Fous-toi de nous, il n'y a pas une balle qui revient. Non, mais c'est ça. Acculé de quoi, hein. Voilà, voilà, la pression est mise. Italien, pas su saisir sa chance, je vais vous dire. Par contre, c'est vrai que l'Italien, quand il remet les balles dans le cours, c'est chiant. Allez, 30-1, allez, 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 quasiment une balle de match, là. Allez. Bon, non, du coup, mais... Ah, vous parlez de Kevin Meyer ? Si Sinner gagne Roland, il sera numéro 1. Non, 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 il est quoi qu'il numéro 1. Il fallait que Djoko gagne, gagne Roland pour que Sinner soit pas numéro 1, donc... Sinner, en gros, il arrive à Roland, il savait qu'il était numéro 1 concrètement, quoi. Et surtout son objectif numéro 1, ça doit être les JO. Il a sûrement pas envie de se détruire sur Roland Garros pour qu'on voit les JO. Bah, c'est ce qu'il a annoncé, hein. Son objectif c'était vraiment les JO, donc. Attention ! Francisco, fais pas le con ! Deux balles de break sur son service, la première est effacée. Bien joué, reste concentré. Et tu termines, voilà, superbe ! Superbe, ça, deux bons services, ça, on aime bien ça. Ah, il y a de beaux services extérieurs là, Francisco. Troisième balle de break à sauver sur son service. Ouf, j'ai eu peur. Oui, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on se détend. Allez, Francis. C'est bien, c'est bien. Game. 4-4. 4-4, allez. Allez, fais-lui mal, là. Fais-lui mal, fais-lui mal, fais-lui mal. C'est maintenant. C'est maintenant. Italien a mis un petit peu de temps, tu as été stressé sans doute. Là, il est... Oh, elle attrape la ligne, s'il vous plaît. Salut, Griffy. Griffy, est-ce que à tout hasard, t'as complété les stats des matchs de ping-pong ou pas du tout? T'avais sans doute autre chose à foutre. Hein. Faut que je retrouve le lien, tu me l'envoies. Salut, Yo. Non, non, salut, Yo, je suis con, il est là depuis tout à l'heure. Et il envoie son Grenoble. Djoko opéré aujourd'hui, il va rater Wimbledon. Si jamais personne ne le savait, Djoko se fait opérer. Ouais, Djoko se fait opérer sans doute. Je crois que Djoko doit se faire opérer. Second service. Allez. Belle ligne. Allez, 5-5. Francisco. Ouais, service volé, on aime bien. Il a enfin son emote. C'est ça. Qui doit se faire opérer. Tsitsipas. Ah non, on est bien, on est bien, on est. Allez, 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 Francisco. Allez, 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 allez. Allez. Allez, un bon retour, Francisco. Bim. Bim. Ah, il insiste sur le coup droit de l'Italien. Et la Diago revers. Et là, il change tout de suite. Il varie les plaisirs et il accélère. Francisco qui est en train de montrer toute sa palette de tennis. Et il est dessus, le passing shot qui offre de, une balle de 6 jeux à 5. Allez, le service.
Il est dessus. Oh putain, bon service. Bon service de l'italien. 40A. Ah, a-t-il laissé passer finalement? Et Francisco. Bim. 15 love. Tie break. Allez. Ah là là, bon retour. La double faute, c'est pas une bonne idée, ça, Francisco. Allez. Allez, c'est très bien, il est stressé en face. Allez, on se met en full intensité, là. Full intensité dans ce tie-break. Tiens dessus, mon con. Tiens dessus, tu tiens. Mini-break effacé. Ah, tiens, il a la raquette trop courte. Ça peut arriver d'avoir la raquette trop courte, hein, c'est, on juge pas. Hein. Putain, il donne. On va baisser l'intensité, là. Il est trop vénère. 4-2, là, il faut absolument le prendre, ce point. On est dans l'échange de passing shot contre Francisco. Alors, on n'a plus le choix. Putain, 4 balles de 7. Francisco. Première balle de 7 effacée. Allez, un bon service. Deuxième balle de 7 effacée. Allez, encore une. Service volé. Troisième balle de 7 effacée. Maintenant, ça sera sur le service de Pirenne. Allez, retour. Oh, il se trompe. Quatrième balle de 7 effacée. Incroyable. Le retour dans les pieds. Francisco, peut-être, qui mentalement a fait un retour exceptionnel. Et qui la sort de 15 mètres, connard. Cinquième balle de 7. Attention, pas la double. Aïe, bon, la cinquième balle de 7 effacée. Sur le service de Francisco, peut-être. Service sur le T. Il peut s'appuyer. Cette fois, balle de match. Balle de match. Il a sauvé 5 balles de 7. Et là, il est dans le court. Il est dans la zone. Il tente une amortie. Qui passe pas le filet. Putain. Et Francisco. Sixième balle de 7 pour l'italien. Service Francisco extérieur. Il se trompe pas. On est dans l'échange, il est un peu court. Putain, on avait réservé le cours pour une heure et demie, putain. Et ouais, non mais là, putain, on a trop donné. On a trop donné bien avant. Mais mec, trois doubles fautes. 20 fautes directes, 15 en coup droit, il se fout de notre gueule. 20 fautes directes, mais il est malade ce mec. Ah ouais, mais je donne trop, là. Putain. Ah, changer juste ça, putain. Faut rajouter 12€ pour une heure supplémentaire. Et ouais, faut mettre 12 balles, putain. Vous avez des pièces? Est-ce que quelqu'un a des pièces? Enthousiaste, confiant, concerné, inquiet. Ne te presse pas, tu vas le défoncer. Allez. 1-0, Francisco. 1 partout. 2-1. 2-2. Balle de break. Allez, putain. Allez, faut pas craquer. Hein. Putain, Francisco, breaké, quasiment d'entrée. Casse les couilles, Francisco. Si je peux me permettre, t'es un peu relou. Break confirmé en plus. Putain, c'est la merde. Allez, c'est maintenant. Gabriele Pirenno, alors qu'il a dû sauver une balle de match, va servir pour le gain du match. C'est terrible, putain. C'est terrible. Francisco, je t'en conjure. Fais-lui mal. Tu peux le faire. Pas comme ça. Il a 3 points du match, putain. Il a 2 points du match. Allez, bordel. 3 balles de match sur le service de Gabriele Pirenno. Putain, mais on était si bien. Il aime trop faire ça, là. Il était si bien. Putain, oh là là, il y a des gens qui vont se faire des couilles en or. Putain!
Fais chier là, la balle de match là, putain. Ah, le tie break relou. Après, il est plein de bourre, l'autre con. Enlève la tête, tu montes en puissance. On va en faire 3700 balles, putain, on voulait 15 000 balles, bordel. Quart de finaliste. On n'y arrive pas, les pros 75. Là, on a gagné Cancun, machin, machin. Est-ce qu'on peut voir, genre, ce qu'on a fait sur les autres tournois? On avait fait quart de finale aussi contre Pavel Kotov, qu'on aime bien, d'ailleurs. Putain, les pros 75 ont fait quart de finale, quoi. Pro 50, on a fait demi-finale. Ouais, c'est cohérent. C'est cohérent. Putain. Voilà, c'est un peu de soin. Et là, je vais pas te mentir, là, ça va bosser, hein. Là, ça va bosser, là. Non, là, il faut une certaine régularité au service. Là, le placement, pourquoi pas. Ça fait bosser quoi? Anticipation sans tactique, ça me va. Surface SP, on s'en fout. Un peu leçon tactique, voilà. On te fait bosser. Ah, c'est une déception, hein. Au niveau de l'oseille, on est dans la merde. On est dans la merde. Et comment il peut perdre le match alors que l'autre fait une hypoglycémie? Parce que le gars, il est en forme. Physiquement, il a pas d'essence, mais il est en forme quand même. Enfin non, il a une bonne condition physique. Non, c'est ça. Il est en forme. C'est-à-dire qu'il a du rythme. Mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup d'essence. Alors, rapport d'entraînement. Pas mal. Effet de service, plus 1. Régularité de service, plus 1. Sens tactique qui gagne bien. C'est bien ça. C'est bien. On n'est pas loin de prendre un petit point en agilité aussi. On n'est pas loin de prendre ce petit point à la volée aussi qui nous fait du bien. On a la régularité. On n'est pas si mal dans nos attributs. Hein. Régularité service à 13. Il nous faut effet service à 13. Coup droit à 13. Et volée à 13. Ok, bon, je vais me concentrer sur ça. Effet service, coup droit, volée. Ça part. Effet service. Boum. Coup droit. À voler. Et coup droit. Voilà, c'est très bien, ça mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Là, pensée positive personnelle. Oui. Oui, pourquoi pas. Concentration, pourquoi pas. Ah, il se fait une journée de pensée positive. Avec du soin. Ah, aujourd'hui, je pense positivement, quoi. Vraiment, je suis bien, quoi. C'est positif, quoi, pour tout le monde, pour tout le groupe, quoi. Ah, ça fait du bien. Et chip and charge, ouais, c'est pas mal, chip and charge. Chip and charge, il est où? Retour contre volée, Axel. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on lui met ça, Francisco, c'est bien. C'est bien. Là, on a un rookie. Là, c'est un pro 75, un nouveau pro 75, putain. Parce que là, on a fait quoi? Ah non, là, on a un rookie 20 à Angers. Ah, on va à Angers. Angers, c'est la famille. Angers, c'est la famille. Et Aguilar, il a un match. C'est quoi son planning, Aguilar? Il est en rookie 10 à Madrid. Mais Madrid en Colombie. Il est tête de série numéro 1. Il doit monter en puissance, Joaquin. Hein. Joaquin, arrête tes conneries. Faut qu'il bosse son revers. Hein. Son revers est nul à chier. Revers et anticipation, faut qu'il bosse. Putain, il prend des moins 1 là-dedans, mais qu'est-ce qui se passe? Malus total. Et pourquoi? Pourquoi il a un malus? Vive Angers. Mais pourquoi? Adios Francisco, tu perds la white card à la jonque. Mais non! Dites pas ça! Bon, vas-y, revers. Faut que le revers augmente et l'anticipation. Revers, anticipation. Donc, on va bosser ça. Voilà, revers. Et là, anticipation. Attends, là, c'est leçon spéciale de surface. Ok. Anticipation sens tactique. Il faut lui mettre un truc moins physique. Un prime donné, c'est un streamer sauvé. Ah, faut lui mettre ça. Ok, nickel. Nickel. Bon. On est top 400. On est 374e. C'est pas mal, en vrai. Ouais, c'est pas mal. Là, on a fait l'entraînement. Inscription pour Buenos Aires. Officiel pour Aguilar. Nickel. Inscription pour le Rome Open. Officiel. Un Pro 75, nickel.
Aguilar qui a un peu progressé. Voilà, il progresse moins vite, mais il progresse quand même. Panache, il progresse très bien. Ça fait plaisir. Voilà, rapport d'entraînement. On est bien, on avance. On avance. On avance. Il est comment, Aguilar Cardozo, là? Il est comment? 6-2, 6-3, c'est bien. Il joue Murphy Casson. White card, attention. Ça gagne. Ça gagne en 3-7. Ça gagne en 3-7, quand même. Fatigué. Misrahi. Salut à l'ananas, comment il va? Paris 6. Bienvenue, merci pour le follow. Novak Djokovic. Bienvenue. Lisso. Merci pour le prime, merci beaucoup pour les 1 an d'abonnement. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. C'est juste beau. C'est juste votre vie. Est-ce qu'on peut voir tes notes d'entraîneur? Oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va aller dans... Ici. Voilà, conseil. Grosse entente, hein. Grosse entente avec Panache. Bonne entente avec Aguilar. Moi, je vous conseille ça. Après, vous faites comme vous voulez, hein. En vrai, c'est les 10 de négo. Tu pourrais les mettre dans la com. Je pense que ça peut le faire. Sinon, en vrai, après, t'es bien. Novax. Je commence tennis manager de mon côté. Bah, écoute, prends du plaisir, mon ami. Franchement, c'est pas que tu vas kiffer. Moi, j'aime bien le jeu. Je trouve que c'est vraiment cool. Dans cette période-là, c'est... Ouais, oh, il gagne encore. Putain, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mon grand. C'est bien, mon grand. C'est bien. Ah non, merde. Attends, mais il joue quand, le con? Ah putain, il se repose beaucoup. Hein. Chier. Il se repose beaucoup, hein. Feignant. Après, il est bien. Après, s'il gagne un tournoi, c'est bien, quoi. S'il gagne un tournoi, c'est bien, quoi. C'est vrai que c'est pas trop entraîné. Avec ses pas trop entraîné. Bon, c'est pas grave. On va le laisser au max. Demi-finale, Joaquin. Joaquin en finale. Putain, ça c'est chiant des fois le petit truc qui zappe. On est en semaine 16. Et en finale contre Ezekiel Simonite. Non mais mec, c'est une win ça. Hein. C'est une win et c'est de la thune pour l'académie ça. Non, je la joue pas. Je te laisse gérer. Je viens pas interférer. Tu me rapportes la win. Let's go! 6-3, 6-1. Joaquin Aguilar Cardozo, nouveau titre. Nouveau titre pour Joaquin. Et 4800 balles pour l'académie. Putain, c'est bon ça. Merci Joaquin de ramener de l'oseille. Victoire à Madrid. Net sans bavure. Il a pas concédé un set à part au début. Ah, du coup, il a concédé un set. Ouais, du coup, ouais. Joaquin qui va monter dans le classement, c'est bien ça. Qui est donc notre deuxième joueur. L'entraînement, la volée qu'augmente, nickel. L'effet de service, c'est bien. Concentration, super. Nickel, c'est bien. Inscription acceptée à Braga. Et Cardozo, un rookie 20 à Doboge. Nickel. Nickel, on est bien. Là, oh la Panache, il est pas... Moralement, il a pas kiffé s'entraîner. Putain, on va être obligé de lui mettre un petit... Enfin, on lui met une journée de repos. On lui met une journée de repos au milieu du tournoi. Tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On lui met du soin après. Là, on va le faire bosser un petit truc, quoi. Petit truc de concentration. Léger. Voilà. Il nous fait chier un peu. Il nous fait un peu chier. Et Aguilar, il est comment? Il est bien. Bon, il est content, il est bien. Pareil, on va te faire bosser un petit truc de concentration. Là, un petit coup de soin. Là. C'est toujours du bien, un petit team building. Contre-attaque, c'est non. Contre-attaque, c'est comment? Son truc, c'est le repos. Lui, son truc. Les 30 000 dans la popoche, on peut les prendre? Ouais, bah, les 30 000, on galère un peu. Hein. Galère un peu les 30 000, hein. Pas se mentir. Non mais là on a de quoi bosser un peu le physique. Merde. Ok, et là on met des soins.
Voilà. On valide. Il joue quoi, lui? Lui, il joue Buenos Aires. Putain, c'est la maison. Il est tête de série numéro 1. Franchement, s'il peut enchaîner les rookies, là... Il est pas mal, quand même, tu vois. 3 titres, déjà. Ça fait toujours plaisir. Tu vois, ça conforte les 2 semaines d'entraînement. 2 semaines d'entraînement, tournoi, titre. Ça, c'est important. Quelqu'un a une astuce pour la forme? Je ne veux pas remonter, moi. Ah! À la forme, il faut... Il faut enchaîner les tournois. Il faut des entraînements physiques aussi. Et il faut du repos. Il faut un mix de tout. Il faut des entraînements physiques si jamais. Parce que... Oh, mais attends, mais là, Angers, mon gars. Elliot Benchitrit. Elliot, il est là, 25 ans. Il est sur son tennis. Il a été quand même top 200. Il est aujourd'hui 714e. Il est un peu loin. Attention, jeu d'attaque. Un mec offensif, va falloir, se méfier. Énormément de français. Hein. Oh, Thiago Pires. Poupinel. Juan Bautista Torres. Pas mal de français. Attends, mais là, en vrai, un rookie 20, là, on a intérêt de le prendre. Allez, match équilibré. Benchitrit. Faut faire des tournois, des entraînements et du repos. Faut jouer en gros. Non, mais en fait, pour revenir... Non, des entraînements physiques. Ah non, mais là, t'écoutes pas, t'écoutes la moitié de ce que je dis. Faut qu'il arrive à gagner des tournois, peut-être d'un plus faible niveau pour retrouver du rythme. Et les entraînements physiques. Et mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas le blinder l'entraînement physique. Faut lui mettre genre une belle journée de repos. Pour qu'il récupère un peu. Désolé les Français, mais Angers va être pour l'Uruguay. On espère. Allez. Pour du plaisir, Angers, c'est merveilleux. Francisco Panache, allez, c'est un match, normalement, ça devrait être une formalité. Formalité pour le joueur français. 30-40. Pour le joueur uruguayen. On a une balle de break. Les fameuses techniques des matchs amicaux de Swansea, exactement. Allez. Aïe, il dorne. Fault, second service. Game. First game. Testez ça, on va voir. Jeu blanc, Francisco. Du mal à gagner son service. Allez, ça peut être maintenant. Ça peut être maintenant. Le 7ème jeu, the 7. Faire des... Allez, Francisco. Ah, il est monté à la volée, un joueur offensif aussi. Voilà, c'est bien ça. Jeu blanc. Fait du bien. The nine. Ah, putain. Il est mou du cul, là. Il se déplace pas bien. Passing shot. Oui, allez, c'est important. Allez. 40-30. Yeah. Four, second service. Allez. Francisco. Oui. Et maintenant. Oui. Deuce. C'est bien, ça a des bonnes gifles là. Putain. Advantage. Putain, mais il peut pas enchaîner le con. Putain. Five games to four. C'est chaud là, deux joueurs à style offensif, c'est chaud. Tu vas perdre contre un mec qui s'appelle Elliot quand même. Wahi! Putain, Francisco! Il se traîne un 30. Il a un gros cul! Fallait pas la mettre dans le filet celle-là. Hein. Moi. Allez, Francisco. Allez! Game. Five games all. Allez, on est bien. Oh putain, c'est vraiment pas un ace. J'ai l'impression qu'il sert bien quand même. Il est comment? Il a une seule balle de break sauvée. 66% de première. Ouais, sur ses deuxièmes, on la graisse bien. On est vraiment bien sur nos deuxièmes. Sur les premières, quand même, il gagne pas mal de points. Mais en vrai, c'est pas tant que ça. On n'arrive juste pas trop à le breaker. Qu'est-ce qu'on donne? Cette faute directe, tout en revers. Bon.
Bon. Bon. Bon. On va se détendre sur le revers, quoi. C'est de se détendre un peu sur le revers. 21 coups gagnants, c'est pas mal quand même. Putain, mais l'autre, on fait quand même beaucoup de coups gagnants. On n'est pas si mal, mais on n'arrive pas trop à le break, quoi. Est-ce que je me... Ouais, on va rester comme ça, on va rester comme ça. Peut-être l'intensité, on est comment ? Ouais. Essayer de monter un peu l'intensité sur le retour, lui mettre la pression. Allez. Boum. Mais mec, on renvoie des trucs de merde, là. Putain, mais mec, on fait des deuxièmes nuls, là. Putain, notre revers, il est nul à chier, je comprends pas. Voilà, voilà, ça c'est un bon... Voilà. Ça, c'est un coup droit, ça. Oh là, on galère à gagner de mise en jeu, putain. Balle de 7, putain, pour Ben Chitrit. Oh là là, très bonne deuxième. Qu'est-ce qui vient de branler, putain? Mais Francisco, tu fous la gueule de qui? Mais merde. Quand même pas un de ton fils. Fais chier, bordel. Fais chier. Putain. On souffre un peu. On souffre. Putain, on a donné et tout, là, c'est... Putain, mais mec, ça rend fou, là, les fautes qu'on a balancées, là. Fautes qu'on a balancées, ça rend fou. Putain, là, c'est compliqué, là. Bats-toi un peu, quoi. Merde. Bats-toi, bordel. Fous de notre gueule. Second set. Relâche-toi, là. 15. On démarre par un jeu blanc quasi. Allez. Putain, t'es pas passé loin. Allez, voilà. Voilà, on veut le retour de Francisco, bordel. Là, je vous ai... Putain, mais merde, allez. C'est court, il a la vol. Putain, il fait une petite erreur qui va bien. Va Boston, bienvenue. Va Boston. Ah, il faut confirmer maintenant. Faut vraiment que tu passing shot, genre vraiment, enfin vraiment. Vraiment, en fait. Vraiment, lobe-le, en fait. Lobe-le. Je crois que les lobes sont mieux cette année. Bim! Oh non, putain. Oui! Bien ça, Francisco. Allez. Allez. Service volé, pourquoi pas, agressive. Allez, faut confirmer ce break. Il est pas nul en lobe. J'avoue, j'ai pas les notes. J'avoue, il est peut-être nul en lob. Exact. Bonne information. Ah, il peut en mettre un de temps en temps. 40-30. Non, mais le filet, c'est pour les poissons, putain. Bim. Oh. Deuce. Putain, il a eu deux occasions de la mettre. Second service. Oh là là, le retour. Il est pas mauvais en face, quand même, hein. C'est un balle de débreak direct alors qu'il avait deux balles, putain. Francisco, sérieusement. Bim. Voilà. Bien fait ça, c'est bien, tu peux le faire, allez. Qu'est-ce que tu viens d'envoyer, sans déconner. Allez. Il l'a fait. Allez. Out. Deuce. Aussi le filet se met au milieu, c'est chiant, ouais, j'avoue. Bim. Mais il est pas mauvais en face, là, il casse tes couilles.
Oh là là, Francisco ! Oh, putain ! Mais comment ça peut sortir de la raquette comme ça ? Oh, le bon service extérieur. Comment ça peut sortir comme ça de la raquette ? Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce qui va pas ? Oh putain, je sais pas. Je sais pas trop. Second poteau Pavard ! Putain, je sais pas trop. Putain ! C'est quand même pas un ton fils. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Merci Mars, comment il va ? 42. Ah là là, LED 42ème service. C'est la carotte. Merci pour les 42 mois à la bonne nerf. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. C'est juste. On a eu du mal, hein. C'est juste votre vie. Jojo, merci pour les 25. 25 mois, bientôt 2 ans. Encore une émission très sympa hier soir. Merci. J'ai beaucoup aimé l'émission d'hier. Four, second steps. 30 low. Ojin, t'es là, on peut dire nimp et tu ramasses. Jamais de la vie, jamais de la vie. À chaque fois, c'est justifié. Chaque fois, c'est justifié. C'est pas un souffre-douleur. Hein. Attention, hein. Ceux qui pensent que Ojin est un souffre-douleur, ils vont manger chaud à sa place. Hein. Ça peut vite changer, ça peut vite évoluer, hein, le tennis. Hein. Balle de 7. Allez. 3 balles de 7. Mec, c'est que le match il est dur, hein. Non, faut pas qu'on enchaîne 2 défaites d'affilée là, moralement ça peut le mettre bas. Oh là 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 là, Francisco! On est quoi? C'est un rookie 20, sans déconner! Rookie 20 danger, sans déconner! Putain, il se fout de la gueule de qui? On est en train de le perdre! Damonarix, merci pour le sub offert à Kéosiris, merci beaucoup. Merci infiniment. Il se fout de ma gueule, hein. J'ai déjà pris un ban à la place d'Ujin sur un misclick. Ça part très vite, ça peut partir très vite. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah non, il vient de poursuivre son abonnement. Ah non, Damonarix. Ah non, attends, j'ai mal lu. Damonarix, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il a renouvelé l'abonnement cadeau que lui avait offert Osiris. Merci pour ça, Damonarix. Merci, t'es un amour. Ouvrez les yeux, merci ouvrez beaucoup. Les oreilles. C'est juste une belle personne. C'est juste votre vie. Il est dans la zone de finish. Faut le faire reculer, ce bâtard. On met de la puissance. On le fait reculer, on le met de la puissance. La plus de puissance. Pas de stress. Il est comment? Pas de stress. Voilà, le relâchement, on est bien. Pas de stress, mec. Oh, 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 il est... T'es bien dans le match, lâche tes balles un peu plus, voilà, t'es bien là, t'es bien. Allez Francisco, allez, 15A, 30A, ouais, dommage, jeu blanc pour Francisco, quasi jeu blanc pour l'autre. Ah ouais, c'est maintenant le 7ème, the 7, 3 balles de... Ok, plus que 2 balles de break. Skunky Valdur, bienvenue. Oh là là, service dans la gueule du public là, c'est trop. Oh, j'ai cru au passing direct, au retour gagnant. Oh, la montée à contre-temps complètement ratée. Et deuxième balle. Oui, c'est bien ça, ça attrape une ligne. Quel retour gagnant, Francisco, pour s'offrir le premier break. Et un ace derrière. Yeah. Bim. Oh, mais gifle-le, je t'en conjure. Gifle-le. Ah, Francisco, il est lancé, hein, comme un frelon. Je ferme ma gueule, en fait, je ferme ma gueule. Out, 40-15. Allez, 2 balles pour confirmer. Le break. C'est fait. Belle longueur. C'est ça, fallait que je joue plus puissamment. Augmenter un peu les longueurs. Balle de match. Francisco Panache sur le service d'Eliott Benchitrit. Balle de match effacée. Advantage. Putain, attends, mais je le gêne, je pense, je le gêne. Je vais le mettre dans le public. Mettre dans le public. Je me mets dans le public. Voilà, je me mets là. Allez. Allez, Francisco. Allez. À 3 points du match. Allez, Francisco. Baisse-le. De toute façon, si je me fais bannir, j'aurai juste plus de temps pour préparer le live de ce soir. Ojin, tu fais quoi ce soir?
Alors qu'on vient de gagner. Pardon, j'étais concentré sur le chat. Ah merde, j'ai envoyé vers Oujib. Let's go! On a eu du mal, mais on a bien ajusté au final. 6-4, 6-4. Il fallait rentrer dans ce tournoi. Il fallait rentrer dans ce tournoi. Sur la terre battue. Il glisse avec agilité. Comme un matador. Il défie la gravité, c'est Confus. Une véritable féerie. Mais derrière son sourire, des ombres à l'infini. Francisco Panache, tennisman en transios. Attends, mais. Ils n'ont pas écouté? Attends, mais là on peut lui mettre un petit truc ou quoi? Petit revers jeu de jambes. Un petit coup de soin. Là c'est juste. Petit team building. Ce soir. Et là on va faire. Voilà. Aguilar il est comment? Second poteau pavard. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nolito Ratier, merci pour le 23e mois. Sur une victoire de Francisco magnifique. Salut le zouzou. Coin coin. Jean-Luc, tu m'emmerdes. C'est fou les bots comme ça là. Puis y a un message qui est mal écrit en plus. Onizuka, merci pour le follow, bienvenue. Là où j'y étais, c'était cool ta viewing. Hors sujet, t'as une date pour la CDL. CDL. Chant du loup. Ban-le, non, je vais pas le ban. Je crois qu'il revient un peu de manière récurrente. Je sais même pas s'il y a un être humain derrière. En vrai, je sais pas comment les bots ils font. Sur ce, ouais, on va juste l'éviter. On va pas faire attention. Il y a un mot à dire, tu vois, on peut pas l'enlever. Voilà, il y a un message à faire passer, ça, il y a pas de problème. T'as pas de problème, juste bon, c'est pas le lieu, quoi. C'est pas le lieu, quoi, mon ami. Alors. Lui, il faut qu'il se... Attends, faut qu'il taffe quoi, déjà? Anticipation va faire taffer, hein, beaucoup. Anticipation va faire bosser. Alors, anticipation, on a quoi? On a quoi de dispo? On a quoi de dispo? D'accord. Ah, c'est que des trucs un peu agressifs, l'anticipation, quoi. Ah non, là, on a ça. Placement, nickel. Là, hop. Ah putain, mais mets-moi les soins aussi. Ah putain, chiant. Ok, erreur. À tout, merde. Est-ce qu'on voit tout? Merde. Merde, je sais pas. Là, on va lui mettre du soin après. Là, on va lui mettre un petit attaque. Là, on lui met du soin, là, on lui met du soin. Là, on lui met une journée de repos, comme ça, il sera content. Voilà, on est bien, on valide. Ah oh, ouais, physiquement, il est pas bien. Du coup, il a fait son entraînement ou pas? Nickel, on est bien. Petite journée de repos, team building pour tout le monde. Attends, Aguilar Cardozo, est-ce qu'on peut lui mettre un petit team building, là? Merde, non, trop tard. Merde! Ah, je voulais lui mettre un petit team building. Le petit team building qui va bien, tu vois. Sur Buenos Aires, il fait quoi? Ok, il va jouer. Antoine Susanto. Un Indonésien. Anthony Susanto. Ah, il a eu un petit peu de mal contre le qualifié, là. Rookie 10, là, sur terre battue, mec. Faut que tu nous ramènes de l'oseille. Objectif oseille. Objectif oseille, mec. Quel numéro 1 mondial chez nous? Novak Djokovic. Carlos Alcaraz, Sinner, Zverev, Medvedev, Rublev, Shelton.
Oui, c'est pas mal. Cohérent. Et à la race, Nick Kyrgios est premier à la race. Les Sud-Américains. Echeverry est le numéro 1 de l'Amérique du Sud. Et Francisco Panache. Et attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18e Sud-Américain mondial. Pas mal, hein? On est 142e à la race. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Sébastien Bèze, il est là. Putain. Seb, on t'aime, Seb, on t'aime. Seb, on t'aime. Léo Poupinal. Oh, il est au max du max. Joueur de terre battue. Jeu puissant de fond de cours. Allez, on y va. Match équilibré. 982e mondial. Il est plutôt pas mal en termes de victoire. Il enchaîne. Il a perdu à Poitiers en demi-finale. Ah, sinon, il a fait un très beau tournoi de Poitiers. Il enchaîne avec Angers. Après, il va à Grasse. J'ai le droit de ban des supporters de Grenoble ? Non, quoi. Surtout pas. Kyrgios, c'était pas cheaté sur le précédent opus. Pas chez moi. Peut-être sur certaines games chez vous, mais pas chez moi. Oui, en tout bien tout honneur. Regardez ses nets de mettre son adversaire sous pression. Mais attends, je vais tenter un truc. Genre, je veux du gros. C'est du rallye assez balèze, quoi. Genre, je mets un gros engagement sur le rallye. Grosse puissance, gros risque. On essaye, quoi, tu vois. On a confiance en Francisco. Allez. Sûr de lui, concerné, rassuré, impassible. Bim. Voilà, l'émotion. T'as Bob Sinclair. Hey, Bobby la déconne. Bobby la pointe. Time. First set. Allez, tu le baises, hein. Tu le baises. Allez, balle de break direct. Je pense vraiment qu'on a eu un match difficile. Je retourne dans le public. Allez mon 6. Allez. S'il vous plaît, joueur sur base, s'il vous plaît. Voilà, de la gym. Non, mais mec, on va le défoncer, c'est officiel. Mec, c'est officiel, on va le défoncer. Salut, Poney. J'ai vu que tu étais dans le jeu en tant qu'entraîneur tactique avec le mode. On te l'a dit. Ouais, depuis deux ans, je crois, je suis dans le jeu. Du coup, je t'ai embauché. Let's go. Normalement, je demande un peu cher. Non, je demande un peu cher. Mais ouais, je suis dans le jeu. Et Arthur Ray aussi est dans le jeu. Captain Middle aussi est dans le jeu. Putain, fume-le. Advantage. Chier. Ça fait 3-1. Allez, balle de double break. Bah, ça fait plaisir. C'est, en fait, le jeu est créé par des Français. Un studio qui s'appelle Reband qui est à Angoulême. Et j'étais allé les voir, ils nous avaient invités il y a 2 ans avec Arthur. On avait kiffé. C'est très cool. En tant que double champion de France en titre, quand même. Mérité, quoi. Attends, on n'arrive pas à concrétiser les points importants, là. Oh, le passing qu'on a pris, là. C'est con, là. On a eu plusieurs occasions de double break, là. Troisième occasion de double break. Faudrait peut-être la saisir à un moment donné. Oui, l'amorti là qui sort de nulle part, magnifique. Le toucher. C'est superbe ça. Allez, 3 balles pour le premier set. Match facile, hein, vraiment. Taboulboul. Tamboul qui chamboule. Taboulboul, merci pour les 7 mois là-bas. Ouvrez les yeux. Merci les gars pour votre générosité, merci. C'est juste beau. C'est juste votre vie. Plus vous vous semez, plus Francisco va loin. Après, vous faites comme vous voulez. C'est dans l'échange que Francisco se met. Non, on n'est pas à la faute. On le bousille. Un partout. Ah, il est revenu avec des intentions. Il a sans doute adapté son plan de jeu. Et il semble avoir adapté son plan de jeu. 30-40. Ce qui est assez logique. Pourquoi on travaille que ça, la régularité au service, putain ! Tu nous emmerdes, hein ! Putain ! Merde, hein !
Merde, Francisco. Merde. On va prendre des risques. Voilà, mets-lui la pression, mets-lui la pression, voilà. Gros nul. Putain. C'est de toute beauté. Il a été régulier dans les photoservices, bravo lui. Remets-lui dans les pieds, voilà, insiste. Déplace-toi après, putain. Deux balles de... Mec, on l'a pas vu venir celui-là, là. On est bien, on se balade, bam bam bam. Et tu prends un set dans le cul, quoi. Neo Zlotizer. Bienvenue, merci pour le follow. Vous êtes nombreux à vous être follow là ce matin, n'hésitez pas, bien sûr. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous follow. Oh, si ça vous plaît, quoi, si l'ambiance vous plaît, tout simplement. C'est la merde. Moins de risques et donner moins de points gratuits à son adversaire. Mais on fait que ça, de pas donner de points. 14 fautes directes, 13 en coup droit. Ah. 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 On va peut-être limiter un peu le coup droit. Peut-être limiter un peu le coup droit. On limite un peu le coup droit. On tient la cadence. Third set. Mais merde ! Il y avait 45 ! Four, second set. Games. First game. Non, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait, sérieux ? Non, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Non, il fait chier. Non, il fait chier, là, un peu, là. Non, y a pas de raison, quoi. Pff. Non, il nous emmerde, là. C'est pour l'émission d'hier soir, un vrai régal. Avec grand plaisir. Franchement, hier, c'était trop bien. Allez, bouffe-le. Putain, mec, on n'existe plus, quoi. Oh, putain, on est à 40. Allez, 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 allez. Putain. Allez, reviens, là, reviens. Il faut mettre ta mise en jeu, un peu. Oh, la zone, elle était... Oh là là, il y a un risque. Oh là 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 là, le risque fou de l'y trouver. Allez, deux balles de débreak. Ah, putain, mais mec, tu mets des belles longueurs, ça dégoûte. Oh oui, ah non. Putain, deux balles de débreak, merde. Putain. Allez, troisième balle. Je suis désolé, mais il a le mental d'une brindille. C'est fermé là. On a voir avec une brindille. Advantage. 3 balles de débreak, putain. Deuce. Allez, 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 on y croit, c'est maintenant. Allez. Four, second service. Allez, Francisco, ça peut être maintenant, ça peut être maintenant. Faut la sortir, celle-là. Voilà. Mets-lui la pression, montre-lui tes couilles. Allez. C'est ce que fait coin. Oh, mais quel enculé, putain, 4ème balle de débreak. Tu te fous de la gueule de qui? Allez, c'est bien ça. C'est bien ça. Cinquième, la cinquième c'est la bonne. La cinquième c'est la bonne. Juice. Tu m'emmerdes. Bim. Ah oh, non. Advantage. Fallait gifler, putain. Ah là là. Cinq balles de débreak, tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui, putain? Allez, pourquoi pas, allez, allez, allez. Mec, on va pas perdre au deuxième tour de tous les tournois. Fous de ma gueule. Putain, j'étais persuadé qu'on allait le défoncer. Allez, Francisco. Putain, 5-3, c'est la merde. C'est maintenant. 15-1, c'est maintenant. C'est maintenant. Allez. Bim. Reviens. Déplace-toi. J'ai deux jambes, j'ai deux jambes, j'ai deux jambes.
À deux points du match, le français. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu décroises pas? Deux balles de match. Oh, on est mort. Mec, on passe deux tours d'un rookie 20, sérieux? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à 6-2, j'étais bien. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, Francisco, là? Premier set, y'a tout qui va. Des petites fautes directes, mais tout va bien, quoi. Pour enfiler, on est bien. Envie de crever, Francisco. Envie de crever. Là, on concède aucune balle de break. Qu'est-ce qui s'est passé, là, après, là? Ouais, là, j'avoue que le deuxième set, il a une petite balle de break. Il nous la met. On donne beaucoup sur le deuxième. Sur le troisième, on donne beaucoup moins. Mec, balle de break convertie, une. Mec, il a converti 100% de ses balles de break, ce bâtard. Mec, c'est un truc de ouf. Nous, 18% des balles de break converties. Putain, mais on doit le gagner 200 fois, ce match, quoi. Francisco, tu casses les couilles, hein. On va se mettre au boulot, là. C'est de la merde, ce que tu viens de faire. Tu vas te prendre une semaine d'entraînement, mon con. 1000 balles à l'académie, 1000 balles. On rentre à peine dans nos frais, là. 1000 balles à Roland-Garros, c'est un sandwich et un café. Qu'est-ce qu'il fait, putain? On est où, là? On est qui? On est quoi? On se prend pour qui? Ça, justement, du coach ne fonctionne pas. Faut bosser les points sous pression. Balle de break, c'est possible de... C'est pas possible, faut travailler. Mais merci, Clem, merci de me chier à la gueule. Matt, merci pour le soutien. L'USAP, let's go, ils peuvent le faire. Ça va être grand. Fais chier, hein. Pardon, hein. Service sous pression, tu m'étonnes, on va le faire. Service sous pression, ça part. Et où est-ce qu'on bosse le mental, là, le mental, là. C'est... Attends. C'est quoi la donnée, là, la plus importante? En vrai, c'est ça. Et ça, on a moins 1, on est à 8. En vrai, tu vois, l'instinct de tueur à 8, ça nous casse les couilles. Je sais pas pourquoi on a un malus, là. Ah, contrarié. Ah, on va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur. Ah. Là, on va rentrer dans le lion. J'avoue, je sais pas pourquoi il a un malus de mental, c'est sang-froid et tout. Parce que là, il avait tout à 8. En fait, là, c'est un bulot. C'est un bulot, mais c'est des notes qu'on peut pas travailler. Putain de merde. C'était pas déjà dans le dur. Je suis dans le dur, je suis heureux dans le dur, là. Ah ouais, là, franchement, 8ème de finale, je crois que c'est le pire résultat de notre carrière. En plus, en rookie 20, il n'y a que des peintres. Ah, c'est terrible. Terrible. Invité d'apprentissage d'un plan de jeu, c'est que l'impact d'un changement d'instruction tactique sur la maîtrise du plan de jeu. Non, la concentration. Faut lui mettre de la concentration. Non, là, on a été déçus. On a été déçus, là. Là, c'est évident, là, c'est... De la concentration là. Les lobes. Ouais, les lobes, je sais pas si c'est ce qui compte. Hein. Mettre service. Régularité de service. Hein. Putain, c'est la merde. Aguilar, il est comment? Il est bien. Putain, on est abattu. Hein. On est abattu là. Ok. Aguilar, il vit sa meilleure vie. Aguilar, il est bien, on va le faire bosser un tout petit peu. Voilà, un petit peu de soin, là, tu te fais bien. Voilà, un petit coup de... T'as un petit coup de service quand même en scred. Aguilar qui gagne sa demi. Aguilar en finale. Aguilar en finale. Aguilar en finale de Madrid. De Buenos Aires, pardon. C'est pareil. Il a pas été trop mis en difficulté. Hein. Là, Aguilar, on va peut-être... Oh, il a mis une bulle quand même. Ah, il perd un set en début de tournoi, puis après, il est bien, quoi. Oscar Ortiz, tu le baises. Hein. Oscar Ortiz, tu le baises. Non, il est bien, là. En vrai, il est bien. Il monte bien, il est content. Il a une belle mental... Et tu vois, lui, il a un mental qui est bien. Je sais pas pourquoi. Il a un bon bonus, là. Nous, on l'a dans le cul. Lui, il a un bon bonus. Bon, bah, tant mieux. Est-ce qu'il y a pas un petit truc où tu vois, t'es à 91, on va te laisser tranquille. Non, je vous laisse jouer sa finale. Allez, Aguilar, juste ramène-nous de l'oseille. Il a gagné! Oui, Aguilar! Oui! Nouvelle victoire!
Après Madrid, Buenos Aires, 6-2, 6-4. Il les pulvérise. Je crois qu'il est vraiment, à mon avis, il est dans des tournois de merde. Si je peux me permettre, il doit être dans des tournois de merde. Là, du coup, après, il est inscrit à Buenos Aires 2, histoire de gagner deux fois Buenos Aires. Il est inscrit à Doboge, le M20. Et là, après, un M25 aussi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il monte en pression. Et là, un ATP5. C'est nickel. Nickel. Son planning est parfait. Et une vraie bonne gestion d'Aguilar. Hein. Tu vois, là, il a, là, bim. Là, il a gagné à Buenos Aires. Petite semaine d'entraînement. On va lui faire une petite semaine d'entraînement. Aux petits oignons. Aux petits oignons. analyse de déplacement, c'est quoi? Contre-anticipation sans tactique, ouais, c'est pas mal. Maîtrise des surfaces, on s'en branle. On va lui mettre changement de rythme. Maîtrise du slice, on s'en fout. Nous, on veut que tu sois... tu nous envoies de la puissance de service. Ace croisé, ça fait quoi? Ah, c'est très bien, ça. Très, très bien, ça. Retour gagnant, ouais, fais-nous des retours de ouf. One two punch, ouais, c'est bien, c'est un one two punch. Ouais. Puissance de service, coup droit, timing, nickel. Fixation, ouais. Régularité revers, retour, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu fais une bonne semaine comme ça, là. Tu vas être bien. Ok, il va être bien. Nickel. Viron panache, en plus, il y a un gros pourcentage. Arrêtez! Merde. Bon, 1000 balles pour panache. Quasiment 5000 balles pour Aguilar. Pas vous mentir que les investissements, voilà, les retours sur investissement et pas un petit 5000 balles pour Aguilar. Offre de sport pour qui? Pour panache. Contrat matériel, tenue, loto. Deux saisons, 54000 balles par saison. 3500 balles à signature. Ça me semble pas fou quand même. Tu participes à 20 tournois, t'as 5... Mais... Pff. Comment tu veux que dans la saison, on participe à 20 tournois? Est-ce que c'est rétroactif? Je sais pas. Salut Darkso. Le joueur a sa forme au plus bas et du coup, il gagne plus aucun match. Tu aurais des conseils? Oui. Fais des tournois merdiques. Faut que tu le désinscrives des tournois dans lesquels il est inscrit. Tu lui fais des tournois d'un niveau plus faible. Tu l'entraînes. Tu fais des entraînements physiques. Fais que des entraînements physiques. Et il faut qu'il joue des matchs et des matchs d'entraînement. Il faut que... C'est que comme ça que tu peux lui remonter sa forme. Même les tournois merdiques, il perd tout. Ouais, c'est dur. Bah, fais d'abord des entraînements physiques. Faut essayer de le faire remonter. Entraînement physique et un peu de... Un peu de repos. Aguilar va devenir la tête d'affiche de la Puta. Ouais, c'est possible. C'est possible, malheureusement. Ah! Bon déjà, Panache, il a le malus, il est plus là. Bon déjà, c'est bien. Tu vois, on était en orange, on est passé en vert. Je vais y arriver. On était en orange, on est passé en jaune. C'est jaune, ça, non? Ouais, c'est jaune, pas pour moi. Attends, là, il y a des matchs? Ah oui, non, là, on est en fin de jeu. Fin de... Ok, c'est bon. T'as belle victoire de Cardozo. Hein. Fait du bien. Pour l'équipe entière, pour le moment, j'accepte pas. Sens tactique, plus 1. Régularité service, on continue de monter. Concentration, on monte, on est bien. Cardozo, ça monte doucement mais sûrement. Aguilar, c'est bon pour Jablonec. La construction de la cryothérapie, t'as achevé. Ah! Ah bah nickel, on va faire de l'oseille avec ça. Du coup, maintenant, on peut... la cryo, ça peut nous rapporter de l'oseille, là. Là, on peut éponger les dettes, là. Là, il y a un monde où la cryo, ça nous ramène de l'oseille. Parce que là, on a plus une... j'ai pas augmenté, on a plus une caillasse. On a plus une caillasse, on est dans la merde. Là, entraînement pour qui? Pour Panache? C'est quoi le planning de Panache? Après, il y a Rome, Braga. Putain. Là, l'entraînement, il va être service sous pression, rallye sous pression, c'est très bien. Leçon tactique sur surface spéciale, on s'en branle. Ça fait quoi? On apprend la surface, on est au max, on s'en branle. On s'en branle, on s'en branle. Un peu de physique, là. Un peu de corde à sauter. Service placé, ça me va. En vrai, là, c'est pas mal, là, l'entraînement, là. Service placé, ça me va. Rallye sous pression. Régularité coup droit, régularité revers, concentration, c'est super.
Ça, c'est régularité, service, concentration, c'est super. Visualisation et respiration, c'est bien. Renforcement du haut du corps. Oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Très bien. C'est une bonne semaine d'entraînement, ça. Non, on est sur une bonne semaine d'entraînement, on est content. Aguilar. En vrai, j'ai presque envie de la copier, celle-là. Sous pression. Voilà. On va lui mettre Aguilar pareil. Sous pression. Bim. Voilà, nickel. Très bien. Ils font la même semaine d'entraînement, c'est parfait. Alors, le bilan. Le bilan, on a des joueurs qui s'entraînent à l'académie. 355e mondial pour Panache. 504e, il est pas loin de rentrer dans le top 500, qui est l'objectif avec lui. Hein, tu vois, l'objectif, c'est rentrer top 500. On est quand même pas loin du tout. Il fallait qu'il gagne un titre. Il a gagné un titre à Buenos Aires. Avec Panache, c'est plus la merde. Le top 500, c'est bon. Mais se qualifier pour un Master 250 dans l'année, ça me semble assez chaud. Et gagner au moins deux titres en Pro 75, Pro 100 ou Pro 125, on est un peu dans la panade. On est un peu dans la panade. Pour le moment, on remplit pas tous les critères. C'est dommage. Allez, semaine d'entraînement. Faut la même semaine d'entraînement, mais Aguilar l'a fait mieux. On verra. On verra. Je vais sans doute un peu mieux entraîner Aguilar. Alors, on est comment? Oui, bon, on perd un peu d'oseille. Solde financier est actuellement 37 000 balles. Nickel. Nickel. Atteint le niveau 2 pour le centre médical. Nickel, donc ça fait plaisir. C'est une... Les dirigeants sont contents. Augmenter la réputation de l'académie. Ouais, ça prend son temps. Niveau 2, centre d'affaires. Et recruter au moins un joueur. Ouais, ça, on verra. Ça, on verra. Bon, c'est pas d'actualité. Petite semaine d'entraînement pépère. Tension au sein du conseil d'administration. Ah! Vous entendez peut-être parler dans la presse que des tensions existent au sein du conseil d'administration. Je tiens à vous rassurer. Vous avez toujours ma totale confiance. Ah! Bon. Ah! Ah bon, c'est les bonnes nouvelles. Y a pas un entraînement pour les balles de break ou quelque chose dans le style? Ah, c'est plus les trucs sous pression. Le mental un peu. Le moral reste correct. Là, on est comment? On est pas mal? On l'a retrouvé un peu? L'inscription à Julia pour Cardozo officiel. Nickel. Tu vois, Cardozo, il a fait 10% dans régularité service, 8% en concentration, 3% en anticipation. C'est pas la même. 12% en anticipation au lieu de 3. 44% en concentration au lieu de 8. Et 41% en régularité service au lieu de 10. Parce que je suis un entraîneur avec des meilleures qualités. C'est tout. 14 ans d'anticipation, ça commence à être pas mal. Là, on a un panache. Le mental, il va être bien, là. On veut un joueur extrêmement mental. On veut un joueur mental. Faut qu'on augmente effet service et coup droit. Effet service et coup droit. Tout le reste, on passe à 13 dans les catégories importantes. Effet service et coup droit. Et le moral est revenu! Le moral est revenu, pourquoi? Parce qu'on l'a laissé un petit peu, voilà, on l'a travaillé, le con. Salut, Poney. Arc full tennis en ce moment, exactement, la pélisse. Et un peu géoguesseur, quand même. Là, on a dit quoi? Effet service. On va lui mettre un petit effet service, là. Il mange pas de pain. Voilà, effet service. Après, bim, un peu de soin. Et là, petit team building, pour la déconne. Là, petit peu de soin et du repos. Validé. Aguilar, il est au max. Du coup, après le match, on va lui mettre... lui, il faut quoi? Anticipation, hein, faut que ça va... Oh, on va mettre tellement de temps à l'augmenter, lui. Putain, c'est dur. Hein. Faut qu'on focus, quoi. Je focus l'anticipation. Après, en vrai, ouais, c'est chaud. Il y a quoi en anticipation, là, de dispo? Le tour gagnant, c'est pas mal. Faire ça, avec du soin derrière. Un truc pas trop fatigant, quoi. La placement en retour, c'est bien. Ok, validé. Ok. Très bien. Très bien.
Rapport hebdomadaire sur l'effectif. Alors, 359, 512, c'est pas grave. Fatigué, c'est normal. On est pas mal. Francisco Panache va jouer quoi? Le Rome Open. On n'est pas du tout tête de série numéro 1. Là, il faudrait qu'on aille chercher quand même un peu plus loin. On n'est pas tête de série, putain. Giovanni Calvano, issu des qualifs, 1112e. Et après, on jouera potentiellement en wildcard ou... Oh, mais non. Mais non, Fikovic, qu'est-ce qu'il fout là? Mais non. Très fort joueur. Merde. Merde. Ah. Ah. Ah, on a le plus de là qui fait du bien, putain. Le bonus de mental là-dessus qui fait grave du bien. Heureusement, le bonus moral qui est là, qui est là, qui est bien. Les copains, on fera ça. Pas demain, puisque demain, on fera du, on va découvrir Tour de France 2024. Le jeu sort demain, on va kiffer. Si le jeu Tennis Manager vous aimez bien, eh ben n'hésitez pas. La commande TM24, vous avez toutes les infos pour avoir le jeu à moins de 30 balles jusqu'à demain d'ailleurs. Je crois que c'est jusqu'à demain si vous voulez le jeu à moins de 30 balles. Et après, ça s'arrête. Je crois que c'est ça. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est ça. C'est, l'offre est jusqu'à demain avec la promo. Donc, n'hésitez pas. Fikovic, Argentin. Ouais, bien sûr, on a compris. Je ne vois pas les séances de cryothérapie. Tu sais pourquoi? Ils ont changé tout le système de soins. Enfin, tout le système d'entraînement. Du coup, ils ont juste mis soins, tu vois. Et je crois que plus tu développes tes trucs de cryo, etc., plus t'es... Tu vois, genre, les séances non disponibles, je sais pas s'il y en a beaucoup, que j'ai pas au début. Je vois pas trop de séances pas disponibles au début. Pourtant, on a démarré au plus bas. Je crois qu'il n'y en a pas, en fait, des pas disponibles au début. Je sais pas, je vais demander à Antoine. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Moi, je vais aller manger. Et après, direction Roland-Garros pour la dernière émission de Jeu 7 et Slash. C'est un pur plaisir à faire avec l'ami Rivenzi, bien évidemment.